essaye de se faire le générique et Simbi. Je pense que c'est un bon exercice, toujours dans le cadre des semaines à jouer avec pression. En tout cas, c'est Dior Disque qui a joué ça. Donc, rien à dire de tes vannes. Et je pense vraiment que c'est un bon exercice. Donc, tout de suite, on fait la chanson. Je vais essayer. Parce que je vois que Dior, il a compliqué un petit peu son doigté là-dedans. C'est l'habitude de tous les solistes aujourd'hui. Le genre de générique où les compositeurs, les solistes et les chanteurs, ils sont en studio et ils se disent ouais, exercice. Allez, débrouillez-vous pour interpréter. Pas gentil, hein? Donc on va essayer de la faire, on va prendre les parties principales. Donc première partie, une petite détente pour commencer, ce qu'on appelle une détente. Donc moi ce que j'entends, donc c'est un deux temps, hein. Hein, donc la progression, on est en la. Pour démarrer, donc tonalité de la. 1, 4, 5, 4, 1, donc la, ré, la. Et donc au départ. Comme ça à peu près. Donc je pense qu'on n'est pas trop loin de l'original. Donc au départ on joue des intervalles en quinte. Cette fois-ci c'est des vraies quintes. Hein, donc des vraies quintes ça fait. Ouais, donc départ en quinte. Ensuite, il joue pas vraiment des accords, donc il déchiffre presque tous les accords. On peut dire que c'est un déchiffrage des accords. Donc c'est une partition. Il a joué comme ça. Ouais, donc ça c'est. Voilà, ouais, ce genre de détente qu'on voit beaucoup donc en CBN, en bois congolaise, ce genre de détente. Ça, c'est des sixtes, hein. Ouais, ça, c'est des sixtes. Intervalle de sixte. Donc, vous pouvez faire ça comme ça. C'est pas trop rapide, hein. Je pense que vous allez plus ou moins le voir. Donc vous prenez vraiment votre temps. Hein, vous avez votre schéma de six comme ça, hein, sur lequel on va jouer comme ça sur ces schémas de sixte d'intervalle. Et voyez ce que je veux dire? Ça fait. Ici. Ah non, je reprends. Et à un moment, en plein milieu, il fait un genre de break. Toujours sur des quintes. Donc ça c'est une quinte, ça c'est une carte plutôt. Ça c'est une carte, donc carte, quinte, quinte et tierce. Et on reprend.
C'est un petit jeu comme ça qui est joué avec des intervalles aussi. Ah, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ah, s'il faut retenir quelque chose de cette phrase, c'est plutôt cette partie-là. Ah, surtout cette réponse-là. Ça, c'est la première partie, jouer à l'accompagnement avec un duo à la mi-solo. Bon, vous ne le faites pas, mais déjà, si vous avez la structure de l'accompagnement, c'est déjà la bonne base pour facilement trouver la mi-solo. Donc, le break pour passer à la deuxième partie. Des montées chromatiques, ça. Voilà. Et après, changement de notes. On passe. En si et la triade en si, Après, donc cette deuxième partie, on est sur une détente, toujours en si par contre cette fois-ci. Donc deux temps. Ah, donc j'entends à peu près un truc comme ça. Donc c'est à peu près ça. Directement sur le quatrième degré, donc mi.
Plus lentement, ça fait. Ah, on a encore un déchiffrage, hein, vous voyez. Une sorte de décomposition de l'accord, de la gamme majeure, en tonalité de si. Avec un jeu sur les cordes bourdons. Vous voyez, ce genre de jeu dans les cordes bourdons, dans les détentes et dans les accompagnements, c'est important de les maîtriser. Vous voyez. Faire ça pour cette partie là de manière très simple. Et là on tombe sur la corde de fa dièse, hein. C'est vraiment le genre d'accompagnement joué en détente avec un gros jeu de bourdon. Voilà, très important à maîtriser ça aussi. Ensuite, troisième partie, là c'est le seben départ. Là au départ, le soliste il s'est amusé à faire un petit phrasé jazz histoire de compliquer avant de rentrer sur son introduction. Enfin, un truc genre. Un truc dans ce genre à peu près, hein, donc un genre de phrasé chromatique. Un truc dans ce genre, hein, donc un genre de départ phrasé jazz, hein, une petite complication jazz. Et puis après, il fait une montée chromatique. Hein. Ouais, donc sur quatre notes. Sur quatre cases. Ouais, donc c'est montée chromatique, mais. Et après, on a notre départ de solo. Donc on finira là-dessus. Ça fait. Donc c'est 2 par 2. Là, on fait ce qu'on appelle les triolets. Hein, donc, qu'on fait ce genre de. Enfin, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Donc, voilà, ça donne un peu de présence dans vos seben. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais c'est quand même bien de le maîtriser. Donc, ça témoigne d'une certaine maîtrise au niveau du médiator. Hein, au niveau de votre coup de médiator, je veux dire. Donc on part comme ça. Vous voyez? Ensuite. Vous voyez la triade, elle est là. Hein? D'accord. Je reprends. Dernier triolet, il est là. Donc on arrive vraiment jusqu'au bout, hein, à 24e case. Donc si vous n'avez pas une guitare à 24 cases, autant vous dire que c'est mort. Si vous voulez la jouer du mode à la même tonalité, c'est mort. Vous voyez? Par contre, moi j'entends une sorte de descente rapide. Il fait un mini slide qui n'est pas trop appuyé, donc du coup on l'entend, mais vraiment très légèrement. Bon,
pas obligé de le faire. Donc, part. Et après, on fait la réponse du Seben. On est sur un deux temps classique avec un débarrage en barré. Ce slide là, un peu difficile à faire. Donc ça c'est la phrase principale du Seben, mais à un moment il y a plein de variantes, hein. Il fait plein de variantes, à un moment il fait... Il y a plein de variantes. À un moment, il vient d'en haut, il fait une descente. Donc, il fait une phrase comme ça.
voilà les amis, à peu près le générique et Simbi. Comme c'est assez difficile, je vous propose de la faire morceau par morceau. Hein, donc, vous pouvez la prendre comme ça, partie par partie, et vous entraîner. C'est un bon entraînement. Hein, c'est un bon moyen de voir comment déchiffrer des accords, déchiffrer des accompagnements, notamment pour les détentes du début. Donc, voilà, bon courage les amis. Hein. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous. Pour votre information, et Simbi, ça veut dire ça tient la route, c'est bon, c'est très bien, ça marche. Donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce qui est Simbi. Est-ce que... Et Simbi